Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vlog déco, si on peut appeler ça comme ça. Ça sera pas de la déco en soi, de maison, de machin. Je sais, c'est le bordel derrière. Ne faites pas forcément attention. Si vous reconnaissez les... Comment je pourrais vous mettre ça? Si vous reconnaissez les sacs, c'est parce que j'ai passé une commande Shein. D'ailleurs, je l'attendais pour faire cette vidéo. Donc, en soi, je veux faire toute la déco de mon bureau parce que j'ai toujours aimé les bureaux hyper bien organisés. Je vous mettrai quelques photos d'inspiration que bah, du coup je me suis inspirée. J'avais commencé à filmer cette vidéo il y a au moins 3 semaines. Honnêtement, il y a au moins 3 semaines, 1 mois. Peut-être pas même. J'irai 3 semaines. Actuellement, on est vendredi 24 septembre, donc je sais que la rentrée est largement passée. En fait, je voulais tourner cette vidéo bien plus tôt, mais je n'ai pas trouvé le temps. Parce que du coup, je sais pas si vous savez, mais je travaille. Depuis juin, je travaille et c'est au moins terminé, si tout se passe bien. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, je travaille de nuit, donc ça change totalement mon rythme. Là, je me suis couchée hier assez tôt. Mais là, réveillée 10h parce que j'avais plein de choses à faire. Vous allez tout comprendre dans les vidéos qui vont arriver après celle-ci. D'ailleurs, après cette vidéo-là, que je la clôture, faudrait que je filme, que je commence à filmer une autre vidéo. Je reviens sur YouTube, au cas où que vous ne l'avez pas compris. J'ai disparu un bon 2-3 mois, peut-être. Parce que ça a été très compliqué en ce moment. Enfin, j'ai eu une passade où j'avais pas le temps de filmer. Beaucoup de choses à régler, beaucoup de changements dans ma vie. Donc tout ça, j'ai préféré le passer seul et ne pas filmer mon quotidien. Et tout simplement parce que j'ai pas envie de me forcer à filmer. Donc actuellement, on se retrouve pour faire la déco de mon bureau. Je vais vous montrer mon bureau. Donc actuellement, il est en bordel. Il y a mon sac à main. Il y a mon appareil photo. D'ailleurs, il faudra que je le teste bien avant de partir. Non, je vais vous en dire trop. Il y a plein de choses sur mon bureau. Il va falloir que je range tout ça, que je trie tout ça. Et que je vous montre tout ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer l'état de mon bureau. Et ensuite, je vous mettrai les rushs de... Parce que j'ai commencé à filmer, comme je vous l'ai dit, il y a 3 semaines. Je vous mettrai les rushs de 3 semaines. De là où j'ai commencé à trouver des petites choses. Je vais vous faire un haul de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai acheté, où je les ai achetés. J'essaierai de mettre un maximum de liens en barre d'infos, si vous êtes intéressés. Sinon... Et bien je vous laisse avec la suite de la vidéo. En fait, je vous ai pas expliqué pourquoi tout d'un coup genre j'avais envie de faire les magasins là. Actuellement, comme je vous l'ai dit, j'arrête les études pour le moment en tout cas. J'ai pas envie. Donc là actuellement on est le combien? 4, 5, 6. On est le 7 septembre. Donc je n'ai pas eu de rentrée et je n'aurai pas de rentrée cette année. Actuellement je travaille encore du coup comme je vous l'ai dit. Et peut-être que l'année prochaine je serai en train de reprendre mon cursus scolaire, je ne sais pas. On verra selon mes envies et selon de comment je me sens parce qu'actuellement je ne me sentais pas apte à reprendre les études. Mais j'aime quand même beaucoup avoir mon espace de bureau et pouvoir travailler dessus. Sachant que je vous ai pas pris de tout l'été pour faire des vidéos presque, tout simplement parce que j'ai énormément bossé, hein, je vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup profité également. Je pensais plutôt à ma santé d'abord mentale avant de filmer les choses. Donc là actuellement je reviens avec cette vidéo là, donc on va dire une rentrée, non je sais même pas en fait. Enfin bref, on va y aller. Oh, je n'ai rien trouvé. Alors je sais pas si c'est moi qui cherche quelque chose qui n'existe pas,
Mais à Action, j'ai trouvé des choses, mais c'est de la déco. J'ai pas encore mon appartement, donc ça sert à rien que j'achète de la déco. Sinon, en fourniture scolaire, il y avait rien. Même les agendas, j'ai rien trouvé. À Nod, je vous ai même pas emmené avec moi tellement il y avait. Mais pire que ça, mais vraiment, en plus, c'était... Vraiment, il n'y avait rien. Il y avait des vêtements tout pourris, là. Ah, vraiment, ça m'a... Bref. Après, je suis allée au fil des pots. Parce que c'était à côté et tout. Et, certes, il y a des choses, hein. Attendez, je vais vous mettre... Certes, il y a des choses, mais déjà, de une, c'est hyper cher. Mais vraiment. 43 balles, un tout petit truc à document, là, à feuille, là. Oh. Et puis, il existe en noir, en plastifié, en transparent, pardon. Il existe en multicolore, mais il n'y a pas blanc. Juste blanc, tout simple. Mat, il n'y a pas. Donc, ça m'a refroidi. J'espère que j'ai trouvé des trucs à la foire fouille, au Jiffy, ou aux Maisons du Monde. Hein. Je vais y aller, vu que c'est dans le même coin. Mais je vous avoue que je commence à désespérer. Ça veut dire qu'il va falloir que je commande tout sur internet. Je préfère voir en vrai que sur internet de base. Mais bon, bah s'il le faut, il le faut. Bref. Je vous reprends quand je serai arrivée. Ou si je trouve des choses. J'ai fait Maison du Monde, j'ai fait Jiffy, j'ai vu un espèce de tourniquet, vous l'avez vu dans la vidéo juste avant. Je l'ai pas pris, j'ai rien trouvé en fait. J'ai trouvé de la vaisselle, franchement il y avait des trucs trop beaux, mais j'ai pas mon appartement donc je peux pas financer ça, ça sert à rien. Donc je suis dégoûtée parce que vraiment j'ai trouvé des assiettes pépites. Toi les gamins, la chat, mais j'ai toujours pas de chat. Donc, j'ai trouvé plein de trucs, sauf ce qu'il me fallait. Du coup, je vais commander sur internet si je trouve des choses la vidéo se poursuivra. Du coup, quand j'aurai commandé, donc ça peut être dans 3 mois. Je préfère préciser, si la vidéo est sortie, ça veut dire que pour vous c'est tout de suite. Mais pour moi, ça peut être dans 3 mois. Ma chambre, comment dire, là faut que je vous fasse un haul de ça, tout ce qui est les colis également. Vous voyez ce porte crayon là, Astérix Obélix, on le jarte, tout ça faudra que je range. Ça c'est mes informations parce que j'ai passé des coups de fil importants, mon sac à main il vire, ça vire également, oula la photo. Donc je vais tout faire avec vous. Ma commande, donc ça hyper simple à déballer. Alors ça sera un pot à crayon, je m'attendais qu'il soit beaucoup plus gros. Par contre galère à ouvrir. Donc c'est un pot à crayon comme ceci. Donc il est assez petit, je m'attendais à plus gros, mais ça fera largement l'affaire comparé à mon pot Astérix. Attendez, je vais vous montrer comment il est moche. Comment dire, ce pot était à ma sœur. Je l'ai récupéré, donc il date de Mathieu Valène.
Donc je vais le remplacer par celui-ci pour que ça aille dans ma déco parce que j'en ai impossible de trouver. Comme vous avez pu voir dans les rushs juste avant, j'ai galéré à trouver des choses pour meubler mon bureau. Donc j'ai passé une commande, donc il vient du site Shein. Comme mon porte téléphone, donc il va falloir qu'on l'ouvre également, que potentiellement peut-être qu'on le monte. J'ai acheté également une petite, des petites étagères comme ça, je vais vous les montrer, attendez. Donc c'est des petites étagères. Comme ceci. Et vous mettez vos... Moi ce sera plutôt pour mettre les agrafes, enfin les petits rangements comme ça qu'on a besoin. Ensuite, j'ai acheté. Donc ça faudra le monter. J'ai acheté, je vous mettrai de la photo. De toute façon, je vous mets tout le temps les photos. J'ai acheté ça. C'est une espèce de petite étagère. Le carton, il pue. Il est comme pas possible. Donc ça se présente comme ceci. Vous voyez, tout est bien emballé, tout est machin. Ah, donc, oh, c'est bien, il y a des espèces de cadres. Ça, j'avais pas vu sur la photo. Donc, possiblement, ça se met. Je vais vous montrer monter. C'est hyper simple à monter. Je m'attendais que ça soit un peu plus compliqué. C'est de la assez bonne qualité. Franchement, je m'attendais à pire comme qualité. C'est de la hyper bonne qualité. Ils sont assez lourds. Mais franchement étonnée, mais dans le bon sens du terme. Donc, on met dans le trou. Et ça fait quelque chose comme ceci. Donc, on peut mettre des choses ici et des choses ici. C'est exactement ce que je voulais. Je suis beaucoup trop contente. On passe à l'achat le plus inutile. Donc j'ai arrêté mes études. J'ai acheté les 23 stabilos. Vous savez celui qu'on a vu dans toutes les vidéos YouTube où ça parlait de la rentrée. On l'a. Vous l'avez forcément vu partout. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vu partout dans tout mon fil de YouTube. Donc voilà, je suis trop contente. Ça ira pas trop avec le thème blanc, vu que le dossier est noir, enfin le support est noir. Ensuite, donc tout ce que je vous ai montré avant ça, ça vient du site Shein. Ici, les stabilos, ça vient de Cultura. Et tout ce que vous allez voir, c'est Cultura. J'ai acheté un petit pot comme ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est bon pour vous, je ne sais pas. Ensuite, ah non, les post-it viennent de chez Action. Parce qu'on a toujours besoin de post-it. Je voulais des post-it pastel, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris les basiques. Et j'ai acheté ça. Ils sont dégueulasses, je vais passer un coup, comme vous pouvez le constater. C'est des porte-documents. Et j'en ai acheté 3. J'en ai acheté 3 pour les mettre comme ça, et le troisième, il y en a au-dessus, pour mettre les documents du coup entre les deux. Quel document? Je n'en ai aucune idée. Voilà, c'est bon pour vous également. Donc le haut est terminé. Du coup, je vais passer à l'installation. Je suis trop contente. Je vais d'abord nettoyer et après on passe à l'installation. Je suis trop contente. Je suis tellement contente. J'adore la papeterie.
bon, bah, du coup, j'ai fait ça avec mon bureau. Bien évidemment, c'est loin d'être finalisé. J'ai pas tout ce qui est déco, j'ai pas tout ce qui est. Et tous les documents, j'ai pas forcément réfléchi à laquelle je vais les mettre et tout. Donc, d'ailleurs, j'ai pas mis la calculatrice, j'avais hésité, je vais la mettre. Juste ici, elle rentre. Parfait. Donc, ça me plaît. C'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas mal. Bien évidemment, le creux au milieu que vous avez vu, c'est pour que je mette mon ordinateur. Forcément, mon ordinateur il n'est pas tout le temps sur mon bureau, donc c'est l'emplacement que je le mettrai. Ce qui m'embête dans cet arrangement, c'est que de base j'avais mis les porte-documents à gauche de mon bureau parce qu'à droite j'ai une armoire IKEA, donc j'ai un trou pour mettre. Bon, là c'est de la déco, donc en soi, je m'en fiche d'y accéder. À voir comment je vais l'agencer dans le futur, mais pour l'instant, c'est comme ça. Qui concerne le pot à crayon, je vais voir, je vais pas les jeter. Je l'avais jeté au, quand je pense que sur la vidéo vous avez vu que je l'avais jeté, mais du coup je l'ai pas jeté. Je pense que je vais le donner à mes neveux parce qu'ils sont encore tout petits, donc je pense que ça va aller peut-être les intéresser. Je sais pas, ça je vous l'avais pas présenté, mais je l'avais pour mes cartouches d'encre. Je ne sais pas quoi en faire, ça ne rentre plus du tout dans la couleur de ce que je vais donner à mon bureau, donc je ne sais pas quoi en faire. Je pense que je vais également le donner à quelqu'un, à voir qui. Donc, A few moments later. Bon, au final, j'ai changé. J'ai inversé le sens. Je vais vous faire un aperçu. Je vais vous montrer tout ça. Je pense que je préfère comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et laisser en commentaire vos impressions. Dites-moi ce que vous auriez fait, quel agencement vous l'aurez donné. Enfin, dites-moi, tout conseil est bon à prendre, donc voilà, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort.